Petite alerte, juste avant que la vidéo commence, il y a eu un petit problème avec mon téléphone avec lequel je filme les vidéos en général. Il a eu clairement trop chaud, 40 degrés dehors pour lui, c'est trop. Et il va y avoir des petits lags parfois sur les vidéos et des petits problèmes de son. J'en suis fortement désolée, mais je tenais quand même à vous sortir la vidéo parce qu'elle est assez rigolote. J'espère que vous apprécierez malgré tout. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous trouvez que j'ai une tête bizarre, c'est parce que j'ai attaché ma frange. J'ai beaucoup trop chaud, il fait 40 degrés aujourd'hui, c'est une catastrophe. Encore en pleine sécheresse, toujours pas une goutte d'eau à l'heure où je vous tourne la vidéo et les incendies qui ont repris en Gironde. Bref, vraiment, rien ne va en ce moment pour la nature, c'est vraiment très très compliqué. Les chevaux, ça a l'air d'aller. Ils sont en train de me grignoter tranquillement ma barrière, toujours sans pression. Voilà, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Il y a toujours pas d'herbe du tout, vous le voyez, c'est la cata. Mais je leur donne du foin. Donc ils ont du foin, ils ont ce qu'il faut. Bali est encore en forme, donc tant que Bali est encore un peu gras, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes. En même temps, il est toujours alimenté, il a toujours ses compléments. Je continue sa cure de biotine aussi pour ses pieds qui sont toujours d'une top qualité. Il voit le podologue d'ici quelques jours. Et là, on attend Paul Arthur qui va avoir une petite session de travail, la première depuis 2 semaines parce qu'il a eu les championnats de France. Donc il n'a pas pu monter Ace et en même temps, il faisait très chaud comme aujourd'hui. D'ailleurs, il fait toujours aussi chaud. Mais je me suis dit que ça lui ferait quand même le plus grand bien de retrouver Ace et aussi à Ace de travailler un petit peu. Même si la carrière reste encore pas mal au soleil, on va essayer de faire un peu de travail à pied, je pense. Ou du travail vraiment très léger, peut-être sans selle, à cru, j'en sais rien. On verra ce qu'il veut faire. Je lui proposerai et on va voir du coup comment ça se passe. Et oui, encore juste un point au niveau incendie, ils sont toujours pas très loin. En fait, ils sont juste derrière. Je pense que les nuages que vous voyez au fond, c'est tout simplement les nuages de fumée de l'incendie. Parce que c'est loin, mais sans être loin non plus. On ne sera pas évacué a priori. Mais il faut toujours faire très attention. La dernière fois, on n'a pas eu de soucis. Là, voilà. On reste vigilant malgré tout. Il y a toujours beaucoup de personnes qui sont évacuées, etc. Mais encore une fois, nous, ça ne devrait pas être le cas. Dans tous les cas, on espère très fortement. Bali ne va pas du tout travailler. Lui, aujourd'hui, il fait trop chaud. Comme depuis plusieurs jours, il bosse pas et il s'en porte pas plus mal. Et on va laisser Ace travailler. Hein, on va aller voir Paul Arthur. Et regardez, Bali a tellement transpiré, il transpire tellement toute la journée qu'il y a le sel. Il faudrait que je lui achète des électrolytes, ça lui ferait du bien. Le sel de sa transpiration se retrouve accroché sur ses poils. Tout ce qui est blanc, vous voyez, c'est du sel de sudation. Tout simplement, ce qu'on peut parfois retrouver sur nos vêtements quand on transpire vraiment beaucoup. Et bien là, Bali l'a sur tout son poil, il en a sur le dos aussi ici. Et les électrolytes, ça sert justement tout ce qu'il a perdu ici. Les électrolytes, ça comble ce manque. Donc ça pourrait être intéressant. Quand il fait très très chaud comme ça, c'est vraiment important pour l'hydratation des chevaux. Bon, t'es content de retrouver Ace? Ah oui. Ben, je sais pas, c'est ce que je me demandais. Combien de temps? Je sais plus. Au moins 2 semaines? 15 jours. C'est ça, hein. Mais en même temps, il fait tellement chaud, t'imagines là? Du coup, je sais pas ce que je te fais faire aujourd'hui. Tu vois, je voulais faire du travail à pied, mais en même temps, t'es équipée, donc je me dis, je vais pas te faire souffrir en gardant ton pantalon, en faisant que du travail à pied. Peut-être que tu pourrais le monter au pas. À la limite, tu peux essayer de lui demander des petites choses à cru, par exemple. Tu peux essayer de faire ça. Ça t'amuse? Ouais. Ouais, bah ça, c'est pas grave, ça va te faire du bien aussi, hein. Ouais. Limite, si tu peux te mouiller le pantalon, je pense que ça te ferait le plus grand bien. Ouais. Ah, il est content là. Ouais. T'arrives pas à monter là-dessus là? Ben non, je suis pas. Tu penses? T'as pas une bonne détente? Moi je t'imaginais avec une détente de fou là. Ouais. Ben oui, fais un sac à patates et. Par contre. Mais voilà! Mais voilà! Mais alors? Parfait! Il se moisse du coup avec l'eau. Ah, mais attends, profites-en! Tu vas pouvoir essayer de choisir la hauteur de tête en lui baissant le bout du nez le plus bas possible. Et en essayant de le remonter. Voilà. C'est toi qui choisis s'il est en bas, s'il est en haut. Toujours, c'est très bien en l'arrondissant autour de ta jambe comme tu fais, c'est très très bien. Jambe intérieure, ta reine extérieure et surtout, on ne force pas avec les mains. Voilà, très très bien.
Et le but, c'est que tu essaies de le garder en bas et qu'il remonte pas. Donc, en étant toujours délicat dans tes doigts, tu me fais pas des gauche-droite, c'est vraiment en l'arrondissant avec tes jambes. Et en ayant une tension sur les rênes, si tu lâches toute la tension, oui, ça va être confortable, mais tu vas le perdre plus facilement. Voilà, raccourcis encore un peu les rênes, très bien. Et tu marches, tu marches, tu marches, tu marches, tu marches. Super, encore. Actif, actif, actif. Très bien. T'essaies de nous descendre le bout du nez? Gentiment. Sans se contracter, c'est pas parce qu'on est assis qu'on se contracte, on essaie de garder sa décontraction. Oui, oui, allez, il réfléchit. Voilà, jambe gauche. Voilà, très bien. Encore. Oui, super. Allez, essaie de garder un petit peu d'activité. Il peut ralentir, c'est pas nul. D'avoir deux trots différents, celui-ci et un trot vraiment très actif à la limite du galop. Déjà, allez, 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 vraiment, 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 vraiment. Ok, petit trot et un grand, grand trot. Allez, presque le galop. Et si ça va pas, tu t'accroches à la crinière pour une fois que tu as la grande touffe. Ok, oh, trot. Petit trot, et essaie de demander galop. Ok, reconstruis, reconstruis. C'est pas la peine de te mettre dans le déséquilibre. On reprend tranquillement. Il n'y a pas de problème, on n'est pas du tout pressé. Vas-y, redemande quand tu veux. Ok, au trot, un bon trot. Bon trot, bon trot, tout de suite. Bam, bam, bam. Allez, allez, on trotte, on trotte. On... Ok. Encore un beau trot, un beau trot, un beau trot. Allez, paf, 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 paf. Et on s'arrête. Ok, on réavance. Au pas, tranquille. Avance, 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 avance. Lâche sa bouche et avance. Voilà, avance, 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 avance. Ok, stop. Donc là, tu sens que c'est un peu différent, que là, il joue un petit peu plus. Donc, ok, on recommence, tranquille. Il y a deux départs en général où il va jouer et après, tu seras bon. Ok, ok. T'as le droit de tu refais un départ au galop, on le repasse, on transitionne au trot et tu redémarres et ce coup-ci on fait un vrai cercle au galop. Super ça. Très bien. On aime bien la crinière, hein, on l'aime bien.
dans... Oui, le piqué, ouais, ouais. De, quand tu fais des... ouais, les géants. Les slaloms, les ouais, géants. Les slaloms. Liberté! Oui! Tiens, donne-moi le bridon. Est-ce qu'il a envie de faire des câlins et de jouer Ace maintenant? Ah bah essaye. Je pense que c'est bien parti, moi. Tu fais attention au coup de cul? Ouais, tu fais juste attention au postérieur. Et tu vois là, tu commences à être dans une phase où tu recules déjà d'entrée. Je suis d'accord encore une fois qu'il est impressionnant, mais tout de suite c'est à lui de reculer, c'est pas à toi. Là tu vois, le premier exercice que tu pourrais dire, c'est allez va-t'en, sors de mon cercle, ou recule, mais voilà. Super, arrête-toi. Super. C'est comme ça. Exactement. Bien sous le genou. Voilà, bah continue. Tant qu'il gratte, tu continues. Parfait. Encore. Très bien, super. Très bien, grosse gratouille. C'est très très bien. Il va être content, il va aller se rouler après. Et c'est donc là-dessus qu'on va arrêter cette petite vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Surtout, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me fait super plaisir. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut !